Pas pour le pire, pour le meilleur. Pas pour de rire, pas pour du beurre. Pour marcher à tes côtés, sur des chemins inempruntés. Pas pour une heure. Pour marcher hanche contre hanche, dès lundi jusqu'au dimanche, jusqu'au dimanche. La place du voyage dans vos compositions. Vous êtes un globe-trotteur. J'ai eu l'occasion de voyager, de faire des voyages assez longs, notamment un an, j'avais passé un an à New York il y a assez longtemps maintenant, et puis j'ai passé 3 ans au Burkina Faso, j'ai sillonné un petit peu l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est vrai que c'est des expériences de vie importantes où je me suis confronté notamment à des musiques qui imprègnent un petit peu aujourd'hui mes compositions. Est-ce que vous étiez compositeur avant ces voyages ou c'est venu après? Non, j'étais musicien amateur, donc je suis parti chaque fois avec une guitare dans le dos. Et puis c'est vrai que la musique m'a permis de faire des rencontres, m'a permis d'aller au devant des gens et de faire des rencontres d'autres musiciens. Donc c'est vrai que je suis devenu compositeur après ces voyages. La vie continue, moi dedans, bateau battu par les vents. Je m'habitue, pas complètement, au menu de ce restaurant. Hier encore, j'étais marmot, puis j'avais peur des gros mots. Tartine au beurre pour être costaud, et à 4 heures un choco. Moi, j'aimais la limonade, les copains la rigolade, les jeudis après-midi, les histoires dans mon lit. Moi, j'aimais bien mon papa, ma maman évidemment. Mes cousins et mes tontons, surtout mon tonton Gaston. La vie continue, moi dedans, bateau battu par les vents. Je m'habitue pas complètement au menu de ce restaurant. Hier encore, j'étais ado, je claquais le flipper chez Fredo. Un peu frimeur, premier mégot, à l'heure de l'apéro. Moi j'aimais la déconnade, le bon temps, les escapades, les samedis après-midi, les poupées dans mon lit. Moi j'aimais bien Marilyn, Géraldine et puis Sandrine, Caroline et Joséphine. C'était les bonnes copines, la vie continue, moi dedans, bateau battu par les vents. Je m'habitue pas complètement au menu de ce restaurant. Hier encore, j'étais fringant, meilleur vendeur chez Auchan. Santé, bonheur, bon an, mal an, une femme en or, 2 enfants. Quand vous ressortez d'un tel spectacle, vous sentez comment? Ravi et content, parce que quand je vais voir un spectacle, c'est pour voyager. Et j'ai voyagé, avec finesse, avec poésie et avec humour surtout. Très bien, un artiste que j'ai découvert et que je continuerai à suivre certainement. Ouais. Vraiment super quoi. Qu'est-ce que vous avez aimé chez lui? À la fois la musicalité, ce qui est plutôt rare, et le texte qui est aussi très rare. Donc deux choses rares, ça fait 2+ quoi. Qu'est-ce qui anime Hervé aujourd'hui à se présenter dans une petite salle de théâtre à Aix-en-Provence? C'est l'envie de l'inattendu, parce que chaque concert, dans le moment du concert, on est dans une espèce de magie, d'intensité qu'on a envie de retrouver. Évidemment, c'est en gros le même spectacle qu'il y a une semaine ou que dans une semaine, mais finalement, chaque soir, il y a des gens différents, il va se passer des choses un petit peu imprévues, donc on goûte cette espèce d'intensité du moment. Voilà, une fois qu'on y a goûté, je crois qu'on est un petit peu toxicomane de la chose, quoi. Ouais, mais quand on est arrivé tout à l'heure, on a installé notre matériel, puis vous avez dit, regardez, ma boîte à harangues. Il y a un côté joueur aussi. Ah oui, bien sûr. On a envie. En effet, c'est vrai que c'est un spectacle qui n'est pas un récital vraiment classique de chansons. Il y a des éléments de musical, il y a des éléments de visuel, là, comme on peut voir. Et il y a l'envie, il y a l'envie d'étonner, il y a l'envie qu'il y ait des moments un petit peu magiques, inattendus aussi dans des aspects visuels. Ouais, j'essaie de faire un spectacle qui soit un peu complet. Je voudrais remercier mon sponsor, les Harangues Pichard. Voilà.
Et en fait, il se trouve que je suis un petit peu ému parce qu'en fait, non seulement je joue à Aix ce soir, mais il se trouve que j'ai rendez-vous mercredi à Boulogne-sur-Mer avec le conseil d'administration des Harengs, justement pour discuter d'un nouveau partenariat. Nu pied, nu cul, sur la terre nue, je suis venu. Nu cœur, nu pied, nu cul, sur la terre nue, je suis venu. Dans le plus simple appareil, comme le cousin Adam. De l'occiput à l'orteil, pas un poil. Pas une dent. J'ai fait mes premières armes sur scène en théâtre, ensuite en théâtre de rue, en café-théâtre. Donc c'est vrai qu'avec ce spectacle, j'ai essayé de mélanger un peu tout ce que j'aimais. C'est-à-dire un rapport aussi de tchatch, un peu de provoque, parfois un peu avec le public, des chansons. Mais voilà, disons que c'est dans le shaker, c'est pas, je voulais quelque chose qui soit un petit peu là aussi entre les clous, quoi, pas forcément classable. J'ai beaucoup aimé l'univers, toutes ses couleurs et surtout sa poésie. Et vous en retiendrez quoi de ce concert ? Sa magie. Beaucoup de poésie, beaucoup d'humour, de sourire, de rire et la participation aussi avec les spectateurs. Vraiment très chouette, très très chouette. Ah bah moi j'adore, moi j'avais déjà le CD donc... Vous êtes une fan ? Ah oui, moi je suis une fan, ouais. Depuis combien de temps vous le connaissez ? Pas très longtemps, je le connais, c'est du bouche à oreille, hein. Ça fonctionne bien comme ça. Et quelle émotion ça vous génère de l'entendre comme ça à Aix ? Je trouve qu'on entend son sourire dans le disque, donc voilà. Et puis là, j'ai vu le sourire en vrai, c'est bien. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, chanson française, ça veut dire quelque chose ? Et si ça veut dire quelque chose, ça veut dire quoi pour vous ? Chanson française, je pense que ça veut tout simplement dire chanson en français, n'est-ce pas ? Donc ça veut dire que la chanson, c'est quelque chose qui est complètement universel. Et moi, je me sens faire le même métier qu'un Leonard Cohen ou qu'un Carlos Jobim. Voilà, c'est simplement, il se trouve que le véhicule naturel le plus... Ce qui est le plus naturel, c'est de chanter dans sa langue, même si on aime parfois chanter dans d'autres langues. Et donc pour moi, chanson française, c'est une tradition qui, en fait, je me sens plus dans une tradition chanson du monde, qui se trouve être en français par hasard, le hasard de la naissance. Avant de faire ce métier, ou quand j'ai démarré ce métier, je me suis intéressé à tout ce qu'avaient fait mes aînés, notamment, que j'aime, des Bobby Lapointe, des Boris Vian, des Trenet, des Higelin, des Brassens, enfin bon, la liste pourrait être fort longue. Je crois que la spécificité de la chanson française, c'est justement... Elle existe assez peu en tant que telle. C'est-à-dire qu'elle s'est beaucoup nourrie de beaucoup d'autres traditions. Il y a eu évidemment la tradition swing et tout ça pour Trenet, Nougaro, Pierre Barou, ils ont été piochés, Moustaki, ils ont été piochés dans les musiques du Brésil. Et c'est une tradition justement qui se nourrit sans arrêt. Elle va se nourrir après de rap, d'électro, etc. La spécificité, c'est simplement que c'est une expression en français qui ensuite peut intégrer toutes les autres cultures, il me semble. Comment vous vivez votre développement ? Vous avez envie de devenir une star ? Je ne crois pas que j'ai ce désir profondément, sinon je n'aurais pas fait les choix que j'ai fait. Non, je pense que là aussi, pour avoir vécu pendant plusieurs années en Afrique, je me suis aperçu là-bas que le musicien, il avait vraiment une fonction. Dans la société africaine, il a vraiment une fonction, c'est-à-dire qu'il va être présent notamment dans les mariages, les enterrements. C'est quelqu'un qui a vraiment une place dans la société. Et je suis parti un peu dans la musique avec cette idée-là. Donc c'est vrai que je fais des spectacles, mais j'essaye d'avoir une activité de musicien qui est au-delà aussi de juste les spectacles. Par exemple, j'ai chanté régulièrement dans des hôpitaux pour enfants. Là, je suis en train de préparer un album de chansons pour enfants aussi. Donc j'essaye d'avoir la vision la plus large possible. J'ai travaillé en écriture pour le théâtre. Enfin voilà, de pas se focaliser sur la vision que peuvent avoir les médias ou que peuvent donner les médias de la culture. Je pense que c'est plus large que ça. Si vous aviez à me dire un mot que vous détestez en français. Un mot que je déteste ?
Ah, là aussi, là, je ne vais pas avoir de réponse parce que tous les mots peuvent avoir leur saveur, à part même un mot qui n'a pas a priori un mot comme CAC 40 dans une chanson. Peut-être qu'on peut lui trouver une rime qui va le rendre affriolante, je ne sais pas. Et un mot que vous adorez ? Un mot que j'adore en français, il y en a tellement. En ce moment, c'est babiole.